Dossier politique qui chez manger chien dans l'école m'a met pam, une situation macabre au détriment peuple haïtien qui vivait pratiquement dans bout li opposition pouvoir bagaille la miel. Oui, bonjour bonsoir tout le monde. Merci une autre fois encore parce que nous toujours là et bien choisi informer dans sous gros réseau Sofia TV 83 mais nouvelle là. Ancien sénateur Latibonite là, Yuri La Toti continue à parler chaque jour accusé ancien ami qui c'est président Jovenel Moïse comme un gros dictateur haïtien. Pas de jambe connu. Cependant, dans détail, information yo, dans diverses accusations sa yo, ancien sénateur a metté sous dos chef l'État. Pourtant, si vous t'amende, Yuri La Toti, comment et qui Jean Merigo Laïva t'a fait bouler, ou attendre qui silence li gen dans dossier ça. Sous t'amende le tout, pour qui tribunal Golaïve la, encore passé en bas gros flamme di fait, li te passé à gauche pour te reprendre Romanes sans le pas de jambe di an, et wap saisi tande qui réponse li te baye sous situation ça. 7 février passé, Jean te promet li a pour installer un nouveau président en face Jovenel Moïse, pour capable di pays a passé à deux présidents pour côté n'a pas lié à la nous capable demander qui ça s'abaille entre temps gen moun kap di yo poko konnen. En pile cause a continuer parler en yin poko capable fait. Cependant c'est une véritable bataille entre pouvoir et opposition. Ben nous quelques minutes et puis prend un petit temps entendre déclaration ancien sénateur toujours dans micro nous Sofia TV 83 Jean toujours dit nous ces réseaux information nous déterminer porter pour vous toute nouvelle qui fait actualité en Haïti ta coup pays étranger. Bon faut tu la sénateur La Toti ou Ezekiel. Sénateur La Toti, comment ça est? Eh bien, nous très bien, Romanes, nous là, nous savions, nous savions tout ça là. Et moi, justement, Fondation J'éclairé, et je dirais son tableau sombre, juste parce que c'est J'éclairé ou bien RNDDH, sous ça qui a passé, ils vont pas qu'être bureau boulé là-bas. Bon, moi, je crois que c'est ça qui est vraiment en question rationnelle. Pour parler d'un sujet, il faut qu'il y ait des rapports qui fait. Mais sous question Gonaïve, Fondation J'éclairé, il dit tout pareil. C'est deux grands pouvoirs qui tapent bataille. Un gang conduit par délégué, un autre gang conduit par l'autre chef de gang. Il y a une bataille et puis qui fait que des gens mourir, des bureaux qui brûlent, des gens qui prennent la rue. Peut-être une question comme, je te vois, vous naïf. Donc, moi, je crois que je dis, je n'ai pas besoin de parler dans la question ça, yo, puisque la Fondation J'éclairé, qui c'est tout le monde connaît, son fondation, eh bien, qui a un pile rapport assez équilibré que le combat. Il fait rapport là, donc il reprend. Et puis, il dit exactement tout ça cause qu'on a eu, c'est pour voilà qui cause, parce que, gagné, il y a une bataille pour une question de corps de niveau et puis séparer. Mm-hmm. Maintenant, comment il remédie, comment venir avec et solution avec bagaille ça? Bio, l'État va bouler comme ça tout le temps? Bon, son bagaille que nous condamnons, mais nous croyons que le c'est l'État lui-même, eh bien, qui la cause ça par le fait que. Eh bien, dans la bataille, il y a comme la mal séparée. Et je crois que la Fondation les conclut. Par contre, vous regardez les conclusions, non, Romanes, ça le dit. En rappelant la population, ça le dit. La Fondation dit que, ou pas qu'à gérer un peuple, si peuple-là, il parle, ou pas qu'à gérer un peuple par la force. Le peuple-là doit accepter les dirigeants. Et que si c'est par la force, ou à Israël, et que la privée à ce que. Eh bien, bagaille toujours passé mal. Donc, c'est la conclusion de FJKL qui est extrêmement importante. Et nous-mêmes, comme monde qui a fait politique qui est rationnelle, qui est basée sur, moi, je t'ai dit, compétence, qui est basée sur, pas voyer monter, mais ça que, eh bien, mon abdi, ça que Fondation, ça a dit, moi, je crois que, il y a une raison, puisque, en général, ou pas qu'à imposer un peuple, eh bien, ça le pas vrai. Le peuple, c'est ça, le l'a accepté, justement, direction, dans la mesure que l'ivlé dirigeant, yo. Et, gagnons, mon, l'autre jour, on était dans une réunion avec, il dit que, le, ou bien, on peut, il y a trois bagailles, et que, on doit bali. Premièrement, faut bali, manger, et faut bali, il faut gagner confiance dans où, et faut bali sécurité. Et, il dit, soit retirer, yon, nan, yo, qui soit quitté. Il dit, bon, on dit qu'à retirer sécurité, mais il faut manger avec confiance. Il dit, soit bien bon seul. Il dit, premier bagage pour tout peuple, bien un dirigeant, c'est la confiance. Donc, si, Fondation J'éclairé conclut pour dire, si le peuple a bagage confiance, événement, ça va toujours arriver, et on a toujours une situation que, eh bien, l'État a une victime. Et je crois que, il faut aller lire
le rapport de la Fondation qui est repris par l'article du Nouvelliste et de la semaine, qui conclut que mes actes passés sont naïfs et me pense que tout le monde est bien lucide pour regarder et bien s'acter passé à partir de la Fondation Jéclairé. Et me souhaiter que vraiment ville natalouin, ville côté Msoti, Gonaïve, que événement ça c'est malheureux, c'est douloureux, que c'est au niveau du pouvoir encore, il y a deux grandes batailles qui viennent faire que il y a tout dégâts ça. Très bien. Maintenant, Kounia, ou t'es dans d'elle, bah, après, m'balle avant sous ça. Déjà, m'te que m'balle avant sous lui. M'a vigné hier sous question France 24 là. Discours président et port de paix. Lui mandé à ce que tant fini nous-mêmes. Lui pas cité non, mais tout le monde va la parler. Tant fini, quitter jeunesse là, vin faire politique tout. Moun port de paix mandé, moun gounaïf, bien entendu mandé, pour au moins nous suspendre boulet. Faut que nous poser, vin par la velle dans le cas contre la tape nous sous domaine. Bon. Je souhaitais que l'ancien président Paté n'y pas le rapport. Là. Et je souhaitais pour la lire rapport. Là. Parce que, de toute façon, comme les 10 et 10 au deal, et moi, je souhaitais que la lire rapport. Là, parce qu'il faut prendre un peu de temps et pour lire les rapports, surtout le au niveau de dirigeant. Et je pensais que je dis, ah, c'est simplement. Sam Dabdi, président, faut le prendre pour le rapport, yo, et m'inviter à lire le rapport, là, à lire l'article Nouvelliste, pour qu'on comprenne ce qui est passé. Très bien. Maintenant, Kounia, en gardant l'autre bagaille, hier, France 24, en pile réaction, et Guédemoun qui conclut trois bagailles, sénateur Latortuli dénoncé président, ou bien il dit un crime de sang, crime financier, et c'est un dictateur. En gardant Kounia, yon après l'autre, crime de sang, crime financier, pour nous arriver dans la dictature, là. Yon résumé. Ça qui est toujours fait force, sénateur, la torture qui a fait force, c'est que moi-même, moi, suis un monde d'art et de science. Ça veut dire, l'homme dit en crime de sang, moi, gâtin, définit ça. Moi, gâtin, dit, c'est conclu, conclu. Le, moi, dit crime de sang, crime financier et dictateur. On va aller dans le crime financier. Ce que j'ai dit, et ça me répétait à France 24, c'est que, dans le rapport Petro-Caribé, eh bien, gagné un compagnie président qui était pointé du doigt. Et il a cité non 69 mois par rapport à malversation qui était faite. Donc, c'est ce qu'on appelle les crimes financiers, c'est-à-dire mon corps qui au bail et travail là lui-même n'est pas fait. Donc, c'est l'exemple de Petro-Caribé. Les crimes de sang, c'est parce que justement, eh bien, dans tout massacre qui fait, yo, c'est le pouvoir. D'ailleurs, ouais, que et l'administration américaine, il y a deux mondes, et Duplan et Fidel Moncheri, que eux-mêmes, ils ont pris action contre eux, parce que déjà, eh bien, ils croient qu'ils représentaient le pouvoir, c'est eux qui, eh bien, étaient auteurs intellectuels massacres-là. C'est ce qu'on appelle les crimes de sang. Et la question de dictateur, la définition est très simple, c'est quelqu'un qui rassemble tous les pouvoirs en ses mains de façon personnelle. Il y élimine les institutions, yo, et j'ai donné les exemples, que ce soit au niveau du décret éliminant les pouvoirs de la Cour des comptes, que ce soit le fait que le président n'a pas fait élection et le premier sénateur allé qui dégagement a toujours pour éliminer le pouvoir législatif, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, que le président n'a pas gagné droit, mettre un juge à la retraite, n'a pas gagné droit à vivre pour un juge, si il y a un bagage, l'article 51, maintenant, de la loi sur le statut des magistrats, il dit, le magistrat doit être référé au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui lui-même apprend des sanctions disciplinaires. Et si c'est des fautes graves, c'est lui qui a voué devant la justice, si c'est un juge de la Cour de cassation, l'a voué devant la haute cour de justice. Donc, il y a maintenant un organe de gestion du pouvoir judiciaire qui empêche le président de s'intégrer dans la gestion du pouvoir judiciaire. Et à partir de ce moment que le président lui-même est rentré, il prend décision pour nous mettre à la retraite des juges, il prend décision pour que les gars révoquent les juges, eh bien, l'Ivini agit, eh bien, de façon illégale, de façon inconstitutionnelle, et le fait d'éliminer tous ses pouvoirs. Parce que le président, c'est commencé depuis janvier 2020, quand il était pour arrêter, qui éliminait la question de passation de marché, et il dit tout, presque toute question de passation de marché, dès qu'ils ont intéressé les questions de sécurité et défense, ils ne peuvent pas voir devant CNMP. Et
le ou éliminer passation marché, ou éliminer pouvoir pour des comptes, le pouvoir législatif, ou pas faire élection, ou éliminer pouvoir judiciaire, c'est-à-dire ou éliminer base démocratie à qui sont les institutions, et ou manier l'autre qualificatif à ce moment que qu'être un dictateur. Donc, moi-même, moi pensais que bah, je me voyais monter, moi fait analyse, moi, et j'avais simplement 10 minutes à France 24 pour me expliquer la situation. Eh bien, moi expliquer à partir des données. Et encore ce matin, m'a joint plusieurs messages, justement, le même monde qui fait émission, plusieurs tweets, qui a dit que, eh bien, Jean, il vient comprendre la situation à partir de ça que nous dit. Et moi, pensais que je dis, la situation est ce qu'elle est, et faut que au monde au cas dit ça y est, et lors dit ça y est, ça a aidé à lui changer. Parce que d'ailleurs, hier après émission, eh bien, deux heures de temps après, l'administration américaine, à travers le secrétaire d'État chargé de l'hémisphère occidental, lui tout prend décision que dit que ça qu'a fait là, son bagage qui est autoritaire, qui est non démocratique, et États-Unis pas prêté garder. Donc, je crois que la situation et capacité nous pour expliquer question. Et c'est ça pour mieux comprendre. C'est pas capacité de force, c'est pas capacité de excitation, c'est capacité de compréhension, capacité de compétence pour expliquer le problème yo, qui va permettre que l'autre monde comprenne et l'autre monde comprenne, puisque nous sommes dans un monde démocratique, eh bien, il y a des décisions qu'il y a à prendre. Et c'est peut-être ça, moi, que la meilleure façon pour nous gérer le problème haïtien, c'est avec tête, nous, avec compétence, nous, avec savoir-faire, nous, avec explication, nous, qui va permettre que, eh bien, n'importe qui pays dans le monde va accepter ça. Donc, je dis à moi, penser que eh bien, la décision américaine est venue à bout portant, puisque ils ont commencé à comprendre. Et c'est ce que j'ai dit hier à France 24. J'ai dit que c'est qu'on sort d'un tacite qui était guerre entre Donald Trump et Jovenel Moïse, même si deux fois seulement ils ont rencontré. C'est qu'on sort d'un tacite pour que Haïti vote tout ça et les États-Unis voulaient. Mm-hmm. Et de l'autre côté, protéger Jovenel Moïse. Cependant, et en tant que ça qui était guerre, hein, même à la fin de l'administration, même après l'administration Trump, l'été commençait à marquer encore, puisque nous disons, ouais, ambassadrice américaine, n'a pas répété encore les propos liés à l'administration de Donald Trump, à savoir, eh bien, c'est 5 ans, 7 février 2022, mais il faut nous faire élection. Et puis, il n'y a pas jamais, eh bien, justement, soucieux de bien-être haïtien. Et maintenant, le fait que mon nouveau secrétaire d'État, nous voyons les choses changer, et moi, penser, c'est cette capacité de mobilisation, surtout des intellectuels haïtiens, surtout du peuple haïtien dans les rues le dimanche, qui va le permettre à ce que l'administration démocrate là, il va le changer Kazakh. D'ailleurs, Joe Biden l'avait dit, Joe Biden t'a dit que jeudi là, il pensait que pendant la campagne de deal, eh bien, Donald Trump laguait Haïti, il peut occuper Haïti, il pensait lui-même qu'il va le ronger sur Haïti, et je pense que les premiers pas ont été faits hier. Ben, on va me garder avec Kounia, si nous expliquer tout ça, moi, ligne tout y a bougé dans l'international, au niveau département d'État, au niveau congrès. Donc, qui ça n'attend là, après toute réaction, ça y est, de Harvard, de Yale, de l'autre université, de l'autre secteur, dans l'international, cap comprendre et interpréter l'article 134-2A? Première raison d'attendre, c'est surtout la mobilisation du peuple haïtien. Parce que, si le peuple a démontré, dimanche dernier, des dizaines de milliers de monde, dans la rue, mon yo campé là dans la rue, yo dit que yo pas accepté l'inacceptable. C'est la première chose. Maintenant, du côté des amis de l'international, c'est une question de, une démarche, une décadeau explicative. Côté que yo opposition libre en temps, mais expliquer, eh bien, ça qu'a passé en Haïti, ou bien pile et frère acteur qui n'a diaspora, ils ont expliqué ce qui a passé dans le pays. Et ouais, journal New York Times, Washington Post, ils reprennent la question avec langue constitutionnelle. Parce qu'autrefois, ils ont dit, c'est politique, oui, tu as dit que Mme la présidente. Non, c'est la Constitution qui énonçait le principe général à l'article 54.1 qui dit le mandat du président est de 5 ans, mais qui a apporté spécificité constitutionnelle là dans 54.2 qui dit. Quel que soit leur bénéficiaire, si on dit en retard, eh bien, votre mandat est censé commencer à courir le 7 février de l'année électorale. Donc, moi, pense que, je dis, il y a une certaine compréhension au niveau de l'international de cette question de date.
Deuxièmement, il y a une certaine compréhension au niveau de l'État national de la démarche dictatoriale et de l'ex-président. Et puis, moi, quoi que je vous dis, et pas de route pas voir, et à la face du monde, côté que la, le monde international a suivi Haïti, et que Haïti pas passé un jour sans que le passe sous chaîne internationale, eh bien, l'interpeller, dirigeant, pour dire, écoutez, si la prêche démocratie, eh bien, la basse qu'on là, pas qu'à gagner, justement, aux dérives dictatoriales. Et dans ce sens-là, je crois, comme je l'ai dit hier, moi, je pense que c'est une question de temps, et que les États-Unis peuvent arrêter sans réagir, mais c'est surtout, j'ai dit, à côté, maintenant, des amis de l'international, à côté de la France qui déjà comprend, du Canada, pays ou qui comprennent déjà, eh bien, ça t'a passé, hein. Mais puisque nous sommes en situation géopolitique, c'est-à-dire c'est les États-Unis qui géraient politique zone ça, eh bien, le fait que les États-Unis vont le comprendre, eh bien, vous pensez que l'Union européenne et les autres pays vont l'associer déjà à compréhension à États-Unis pour faire bailler au marché. Et c'est dans ce sens-là, vous pensez que, eh bien, ce n'est qu'une question de temps. Regardez comment le secrétaire d'État va reprendre, moi, t'es qu'à dire sa opposition, t'as dit le 7 février. Regardez comment, au niveau de l'ambassade américaine, que l'autorité n'a des questions d'élection avec le gouvernement. Je dis à Yodi, élection, si c'est possible, si c'est techniquement possible, le langage diplomatique commence à changer et la réaction américaine est autre. Et moi, je pense que aujourd'hui, eh bien, l'opposition doit poursuivre de façon pacifique, de façon non violente dans ça que l'affaire pour que il qu'à arriver justement montrer qu'il était toujours guérison et qu'il faut changer pour avoir une transition qui se réalise avec des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. D'ailleurs, nous dit, moi, pas fait élection. Moi, à l'élection 2006, nous gagnons, 2008, 2010. À chaque fois, au niveau des législatives, on a toujours gagné. C'est pas jour d'hier, nous arrivons pas à l'élection, même voulait des élections, côté que, qui est libre, honnête et démocratique. Des élections, côté que, ou à privé, ou à bon conseil électoral, mm-hmm. Et bien, justement, cap ouvert pour tout le monde, côté que, pas de manipulation. Des élections, côté que, eh bien, pas de bon, qui pourra utiliser, eh bien, fonds l'État pour nous faire campagne, et puis après, où ils ont dit, et profiter de la misère du peuple, et puis ils ont dit que c'est eux qui bon. Des élections, côté que, eh bien, nèg la cavine avec programme, li, moi, m'cavine, y a programme, de n'importe quelle zone du pays, et m'cap à la peuple, là, pour m'expliquer exactement, et permettre que moi-même, moi, dis que justement, ça le fait à ce l'échec. Parce que je dis à, sous quitter moi-même, n'aller au côté, eh bien, vous n'êtes pas parlé, vous me parlez. Et même quoi, oui, vous m'avez dit, peuple, à vous aller. Cependant, je dis à, eh bien, ils ont empêché ça, ils ont barricadé les zones, ils ont mis, eh bien, gang tout côté qui fait que, eh bien, il y a des élections. Et pendant ce temps, justement, ils ont connu une pile de zones que vous ne pouvez pas la donner. Donc, moi, quoi que le climat, sécuritaire n'est pas au rendez-vous. Le climat électoral, à savoir, pas de loi électorale, pas de document électoral, il faut le rappeler et au Manes Mabdousa. Mm-hmm. En 2006, c'est déjà 4 millions de monde qui a voté en 2006. En 2015, c'est 6 500 000 électeurs. Comment comprendre que la population a doublé qu'on y a pour qu'en 2021, nous ayons 3 700 000 électeurs? On doit avoir 8 millions d'électeurs et nous pas gagner et au pape qu'a fait non-année. D'où le rapport que c'est qui se dit, qui montrait que techniquement, les élections sont impossibles. Donc, parce que chaque Haïtien pas bien au document électoral. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui hein, pour que nous expliquions international là. Ce n'est ni la force, ce n'est ni la violence. C'est avec l'intelligence, avec la capacité de mobilisation pacifique du peuple haïtien que la privée atteint sa double atteinte. Maintenant, Kounia, pendant ce temps-là, même tu as frappé la moins de liste de concours Mambé de Bec qui fait dans plusieurs départements dans le pays. Est-ce que Kounia, si vous n'avez pas gagné justement support international qui dit que vous avez avancé dans quelle que soit l'élection en fait, la valider, ou pensez-vous que vous avez avancé comme ça? Radio Mega. Écoutez, moi, je crois que sous président Avril, tu as gagné CEP, tu as gagné Beto, tu as gagné Bec, sous président Avril en 89. Et président Avril te dit même qu'il y a un conseil électoral permanent. On a eu dans l'histoire plusieurs cas à côté que, à chaque fois, même sur le président Martelly, il va bête seulement, c'est un deuxième tour, là, ça va le faire. C'est dans vendredi que l'éliminé, alors que le début fait dimanche au 24 janvier. Donc, écoutez, je crois que on a déjà vu ça, on a déjà revu ce genre d'histoire. Pour réaliser une élection minimum dans le pays, il faut qu'il y ait ouverture, il faut qu'il y ait transparence,
faut que il y ait clarté, faut que l'international la comprenne que le minimum eh bien de compétition qui t'a fait. Pour le moment, il y a rien du tout. Donc moi pense que ça nous était qu'on dans le passé qui qu'on échoue à la dernière minute. Écoutez, c'est ça me passé qui va le faire parce que décision va le venir et même quoi que c'est l'argent perdu côté que on a investi dans des bagailles qui pas qu'à rapporter rien parce qu'on pas qu'à faire pour élection sans volonté populaire là. Très bien. Maintenant, bon, regarde le dossier avancé, vraiment beaucoup vite main. Mais m'a regardé et réalisé dans carnaval là-bas de sécurité qui des anciens chefs d'État. Dossier ça, on regardé là avec privé l'OT a juste m'a charité là-bas. M'a regardé le tout avec Michel Matéli port de paix. Dans question sécurité, yon ancien président, combien de temps ça dure? Comment le fait? Bon, sécurité ancien président, écoutez, la loi dit que l'heure que gen on ancien président, yon doit bal sécurité pendant mandat, eh bien, et successeur là. C'est-à-dire, président Martelly, il y a droit à sécurité dans tout déplacement, il y a droit à un secrétariat également, parce que tu as gagné depuis 2006, on décret qui était bail et premier ministre sécurité pour 2 ans après que j'étais fini en fonction et président sécurité pour 5 ans et on vient droit à mon secrétariat. Radio Mix. Andy Kounia nous dit mandat constitutionnel Jovenel est fini donc 5 ans passés, 7 février, dimanche, hier lundi, et me passe tout jeudi avec vous avec lui, 5 ans sécurité ça vous passe tout. Ah oui, c'est-à-dire que à partir du moment que 5 ans ont passé, c'est autre chose. C'est plus régi par la loi. Mm-hmm. Et à partir du 7 février, eh bien, justement, quand vous êtes là, eh bien, où on a fait un autre bagaille. Puisque l'État, lui-même, lui reconnaît pour le bail ancien président, simplement sécurité pendant 5 ans avec mon secrétariat. Donc, dans ce sens-là, je crois que, ou bien raison, à partir du 7 février 2021, c'est autre chose. Qui est-ce qui doit retirer sécurité saoudienne, Kounia? Ramener dans la base, bien dans différents corps que vous avez appartenu. Gagne USP, USGPN, 4 teams, tout ça. Écoutez, moi, j'étais responsable sécurité et USGPN. Et à un moment que DAP ça a été arrivé, eh bien, le ça a ramené sécurité. Ou qu'il y a certaines dérogations en fonction peut-être de menaces qui sont son ancien président ou un premier ministre. Ou qu'il y a joint un ordre pour justement en question spécifique, mais normalement, lorsque vous sortez dans le délai légal, à partir de ce moment, vous êtes obligé d'entrer dans la base, que ce soit USGPN, que ce soit USP. Maintenant, Kounia, nous connaissons l'équipe. C'est, ça me plaît garder assez équipe qui est sous pouvoir et dépense l'État style à fait. Alors que, ou t'es qu'à dit, Michel Matéli comme personnage, il va avoir un problème payer de toi sécurité. Maintenant, Kounia, c'est fond l'État qui a gaspillé. Oui, tout ceci, faut que la Cour supérieure des comptes est responsable de toutes les questions administratives et du contrôle, il y a même gardé question d'État. Parce que chaque institution de pré-responsabilité, ce n'est pas simplement, eh bien, rester sur une opposition, c'est fait exactement où le contrôle. Yo. Et où le contrôle, yo, c'est contrôle légal, yo. Contrôle administratif. Yo. C'est où comment problème de dépenser. C'est où est-ce que là, nous devons dépenser, est-ce que légal ou pas légal. Donc, il revient à la Cour supérieure des comptes de prendre ses responsabilités. Vous dites, menace président, ou pas faire trop valeur ou bien on prend le sérieux? Écoutez, moi, je pense que moi, ce petit président, s'il a lu le rapport là, la comprenne ça qui a passé. Deuxièmement, on président, eh bien, pas doué lancer dans fait citoyen menace. Et moi, je crois que le président doit aussi dire, parce que à partir du moment que ou arriver dans certains niveaux, même si c'est ancien président, qui ont l'autre façon pour concevoir, eh bien, justement, la vie, il faut que ou pas passer, eh bien, que ça va faire son bagage individuel, son bagage personnel, dès que vous êtes fini élevé à la plus haute fonction de l'État, ou l'autre comportement que vous devez gagner, qui va permettre que nous lui apprécier. Parce que, dans tant que nous vivons là, on ancien président, eh bien, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, une compétence et une réaction modérée. De toute façon, moi, je crois que, malgré au-delà de ça, et comme pour toute réponse, j'invite le président à aller lire le rapport de FJKL qui montrait ce qui s'est passé de Naïve là, qui expliquait, et peut-être laisse ça bien comprendre, et même pas ce président comprendre, puisque l'IGAT a révoqué délégué. L'IGAT a révoqué délégué qui était dans affrontement avec gang là. Donc, ça que l'IGAT comprend. Donc, ça,
ça que moi pense que le pas comprendre, moi pense que moi à travers révocation délégué, moi ouais que il comprend. Bon, et écoutez, il faut toujours chercher des bons ministères. Moi-même, je ne vais pas me descendre à ce niveau que m'a voulu monter. Moi, je pense que m'a prêté pour, de façon rationnelle, de façon claire et limpide comme homme d'État, pour inviter le président à lire le rapport là, qui explique tout ça qui est passé. Merci beaucoup, sénateur. Dès qu'on a participé à les avant.